faisait super longtemps que ça n'a pas été le cas. Sachez que cette vidéo est en collaboration avec le site Brentini, puisque lorsque j'ai reçu les fringues, j'ai de suite accepté la collaboration. J'étais tellement contente, il n'y a pas une fringue qui m'a déçue. Il n'y a pas une fringue qu'aujourd'hui je vous présente pas ou que je vais vous dire ouais je l'aime pas, parce que j'adore toutes les fringues que j'ai reçues de Brentini. Alors si jamais vous connaissez pas la marque, sachez que c'est une marque que vous pouvez retrouver sur internet. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toutes les tenues que je vais vous montrer ici. Je vais tout vous détailler et tout vous montrer. Et c'est une marque en fait qui se renouvelle tout le temps, tout le temps. Il y a des nouvelles collections absolument tout le temps, toutes les semaines. C'est vraiment un site en fait de qualité mais à petit prix. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. C'est toujours cool de vous présenter des vêtements abordables. Et surtout c'est des fringues qui sont canons, parce que bah, en fait en plus de se renouveler tout le temps, d'avoir des nouvelles collections tout le temps, des nouveautés chaque semaine et tout, c'est vraiment un site qui s'adapte aux tendances et aux modes en fait. Donc je trouve ça trop cool de retrouver tout le temps des produits dans l'air du temps, dans les tendances et tout. C'est un site qui allie vraiment la qualité, les fringues sont top, je suis vraiment déçue d'aucune fringue. Et en plus de ça c'est des fringues à petit prix, donc ça ça fait quand même méga plaisir. De toute façon vous verrez, tout sera détaillé comme je vous le disais dans la barre d'infos, donc vous pourrez checker à chaque fois que qu'un article vous intéresse le prix qu'il coûte. Et voilà, au niveau de la livraison, il livre en 48 heures. Vous pouvez aussi choisir la livraison 24 heures. Et voilà, en gros je pense tout ce que je voulais vous dire. Non, plus important, le plus important dans tout ça, j'ai un code promo que je vous mets juste ici. C'est un code promo de -10%. Je vous mettrai la date de validité, quand est-ce qu'il périme, etc. dans la barre d'information. Donc cesse de blabla, je vais maintenant passer aux fringues que j'ai reçues, que j'ai choisies bien entendu. Et je vais commencer par la première tenue avec... Tadam ! Ça, alors sachez que je suis allée chercher dans le linge sale pour pouvoir vous le montrer. Tout simplement parce que je l'aime tellement que je le porte tout le temps. Je l'ai porté dans un vlog et vous avez été tellement nombreuses à me demander d'où il vient que je l'ai également posté sur une photo Instagram. Vous avez été nombreuses à craquer. Voilà, je l'aime vraiment trop. Donc c'est un pull à épaules dénudées comme ça avec des... moi j'appelle ça des froufrous. Vous les avez également ici aux manches. Et en bas du pull, enfin clairement ce pull il est génial, il est super qualité, il est canon, il existe aussi dans d'autres couleurs. De toute façon il y a plein de fringues qui existent dans plein d'autres couleurs si jamais ça vous intéresse, que ce soit les robes pull ou vraiment ce pull-ci, il y a plein d'autres couleurs pour plein de fringues. Donc ça c'est cool et voilà, je l'aime beaucoup, j'avais envie de vous le présenter en premier parce que c'est un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup de mal à choisir mais je vais quand même dire que c'est l'une de mes pièces préférées quand même parce que je l'aime vraiment 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 trop, il est parfait. Voilà. Et au niveau des tailles, je vous mettrai toutes les tailles en barre d'information. Alors j'ai choisi de porter avec ce pantalon-ci que je vous ai pas montré sur Instagram, tout simplement parce que j'avais pas envie de tout vous dévoiler tout de suite, vous voyez. J'ai évité de porter les fringues lorsque je faisais des vidéos et tout parce que bah, je voulais vous faire la surprise. Ce pantalon-ci c'est un pantalon taille haute que je trouve magnifique, il a des broderies ici. C'est un pantalon noir un petit peu délavé ici, pas beaucoup mais un petit peu, et vous avez, vous voyez, des broderies en bas de la jambe droite et des broderies en haut de la cuisse gauche. Je le trouve magnifique ce pantalon, vraiment je l'aime trop et je trouve que ça fait un ensemble vraiment canon avec le pull rouge et tout, je les adore. Et ensuite, et là ça va être difficile de vous montrer, j'ai choisi de... Wouh, je fais des bêtises. J'ai choisi d'associer cette tenue avec cette veste-ci. Alors moi j'appelle cette parka, je sais pas si vraiment on appelle ça comme ça. Je la trouve tellement jolie, c'est une veste kaki avec une énorme fausse fourrure, je précise, ici la capuche est dans la même fausse fourrure en fait. C'est vraiment rempli à l'intérieur donc ça tient hyper chaud. Si comme moi vous vivez dans un endroit comme les Alpes où il fait méga froid, il neige et tout ça, ben clairement c'est la parka idéale. Je la trouve géniale et en plus de ça je l'adore parce qu'elle est courte. J'avais envie d'en avoir une courte et surtout elle se resserre aussi à la taille. Enfin vraiment elle est plein de détails canon. Elle est tellement chouette cette veste, c'est un truc de dingue. Je l'aime vraiment trop. Et à l'intérieur, c'est encore une fois la même fausse fourrure. Alors ensuite, je vais passer au sweat que je porte ici. Je l'adore parce que déjà, c'est un sweat à capuche et j'ai assez rarement des sweats à capuche. Et pourtant, je trouve ça trop cool. Il est gris avec marqué Supergirl en rouge. Et moi, j'adore les détails rouges. J'adore les fringues rouges. J'adore les détails rouges. Et j'adore le rouge associé au gris. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est un sweat qui est long. Il est un petit peu plus court à l'avant qu'à l'arrière. Mais c'est quand même un sweat long. Donc, je le trouve très bien pour la période. En fait, clairement, un crop top en ce moment, c'est juste pas possible, vous voyez. Et j'ai décidé
décidé de le porter avec ce jean-ci. Il est vraiment cool, j'avais pas de jean un peu plus destroy comme ça, mais pas trop non plus. Moi j'aime bien quand il y a du destroy, mais voilà, pas à l'extrême. Donc là c'est vraiment juste milieu parfait. En bas vous avez des fermetures éclair et il est bien skinny. Moi j'ai vraiment besoin que mes jeans soient bien skinny. Si c'est un petit peu large ou quoi, ça me plaît pas du tout. Alors faut que la coupe soit de base large, mais si c'est un skinny, il me faut du skinny quoi. Et voilà. En gros, au niveau des poches, elles sont parfaitement placées à l'arrière. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'avais envie de porter cette tenue avec des petites bottines qui donnent vraiment ce côté un petit peu rock associé au sweat et tout. J'adore mélanger les styles et tout ça. Et alors là, les amis, big coup de cœur pour ces chaussures-ci. Elles sont trop belles, franchement le prix ça vaut tellement la peine. Ce qui est cool c'est que vous avez une fermeture ici, sinon c'est méga galère de devoir voilà, retirer des trucs ou quoi devant. Là non, vous l'enfilez avec la fermeture éclair et le détail à l'avant ne bouge pas. Ces chaînes là, je trouve que ça fait rock et tout, enfin je les aime trop. J'ai pris la pointure 38 et c'est parfait, je les adore. Vraiment je les adore. Ensuite, cette robe pulsy que j'ai tellement hésité à la prendre dans d'autres couleurs et du coup ben, je vais la commander étant donné que je l'aime trop, j'adore la porter. Donc c'est une robe pull noire, j'en avais pas, c'est pour ça que j'ai finalement opté pour le noir. Avec ce col, donc elle est toute tressée comme ça. Je la trouve tellement jolie, je la trouve canon. Et vous avez tout simplement les épaules dénudées avec ce gros col que vous mettez un petit peu comme vous le souhaitez. Moi je la porte toujours à épaules dénudées, je la trouve tellement tellement jolie. Et j'ai voulu l'associer cette fois-ci avec cette veste-ci qui est trop jolie. C'est une veste longue, je fais des bêtises à chaque fois avec mon téléphone. C'est une veste grise longue qui est super jolie, oversize mais pas trop vraiment, parce que moi si c'est des manteaux hyper hyper oversize ça me va pas du tout. Je suis trop petite, du coup ça a tendance à me tasser à fond. Là pour le coup c'est la longueur et la forme parfaite et le détail que je trouve canon avec ces perles, donc c'est des fausses perles de culture vous savez, et une chaîne. Je trouve ça hyper joli, vraiment je la trouve canon, j'aime beaucoup le gris. Vous avez des poches ici qui sont de vraies poches, pas comme dans certaines vestes où c'est des fausses ou alors il faut tout découdre et tout. Non là c'est vraiment vraiment parfait. Je la trouve vraiment vraiment très belle. J'ai encore fait tomber quelque chose. Cette pièce est assez petite donc c'est pas très très pratique. Alors ensuite ça c'est pareil, ça a été un réel coup de cœur. C'est une robe pull longue qui fait vraiment streetwear associée à des petites baskets blanches toutes simples. Je la trouve trop jolie, vraiment je l'adore. Ou même des baskets grises hein, avec la couleur, ce serait vraiment vraiment canon. Il y avait d'autres couleurs donc pareil, j'ai beaucoup hésité. Elle est vraiment longue pour le coup, elle a cet effet tressé encore une fois. Elle me tient bien chaud et tout et ce que j'adore c'est que elle est vraiment longue hein. Donc ça c'est pas du tout sur les fesses ou quoi que ce soit, c'est hyper bien placé. Mais d'avoir fait ça, je trouve que ça la rend encore plus jolie. Je la trouve trop belle, donc vous avez cette fente de chaque côté et voilà quoi, je la trouve vraiment vraiment trop jolie, j'adore. En même temps je vais vous dire ça pour toutes les fringues puisque j'en suis super contente. Et vous avez également deux poches, ça donne un très joli effet, j'aime beaucoup. Prochaine tenue, je l'aime tellement cette tenue aussi, franchement j'adore parce qu'en fait j'ai mis 1000 ans à trouver ce genre de gilet et là j'ai enfin trouvé dans la couleur que je souhaitais. Alors je voulais prendre une robe parce que j'avais envie de tester un petit peu de tout sur le site forcément. J'ai trouvé celle-ci, vous allez reconnaître mon style quand même avec l'effet fleuri. Et encore une fois comme je vous le disais, je vous mets vraiment les tailles que j'ai choisies dans la barre d'infos puisque tout ce que j'ai pris va parfaitement, donc voilà je suis contente. Vous avez cet effet décolleté ici, donc vous pouvez mettre quelque chose en dessous hein, si jamais vous le souhaitez. Moi je la trouve vraiment trop belle comme ça. Elle est à froufrou en bas, elle a cet effet, hop j'essaye de vous montrer, elle a cet effet portefeuille. De toute façon je vous montre tout à chaque fois en extérieur, vraiment pas comme ça parce que comme ça vous voyez rien du tout. J'ai vraiment envie de vous montrer les fringues associées. Et voilà, je la trouve très jolie, elle a cet effet chemise aux manches. Et ce pull-ci, je l'ai choisi rose. Je trouvais que le rose c'était très joli puisque ça apporte ce côté un petit peu doux aussi à la tenue que j'aime beaucoup. C'est un vieux rose mais assez clair quand même, enfin vraiment la couleur du gilet est très jolie. Et il est magnifique, encore une fois, je vais dire ce mot à peu près 50 fois. Mais je suis tellement contente que voilà, je trouve vraiment trop beau. Vous avez cette ourlet qui est fait vraiment cousu. J'aime beaucoup puisque moi je suis tout le temps en train de retrousser mes manches. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais c'est à manches longues, hein. C'est moi qui les ai retroussées et voilà, je l'aime beaucoup. Prochaine tenue, alors un t-shirt blanc tout simple avec marqué Honey dessus en rouge. J'adore les détails du rouge comme vous le savez, j'associe ça à un rouge à lèvres rouge et c'est nickel. C'est un t-shirt qui est assez long, assez loose
sur moi en tout cas, ça dépend aussi de, voilà, de votre morphologie. Et j'aime beaucoup, j'avais vraiment envie d'un t-shirt un peu loose que je puisse rentrer dans un pantalon bien particulier que je vais vous montrer tout de suite. J'essaye de pas tout froisser parce qu'après je vais tout vous montrer, essayer dehors. Je vais me changer à peu près 10 fois dans la voiture, mais je trouve que c'est vraiment nécessaire pour bien voir les vêtements, les tenues associées et tout. Et donc le pantalon c'est celui-ci, j'avais très envie de tester ce style de pantalon sur le site, donc vous voyez, je pense que vous voyez parfaitement ce style de pantalon, c'est entre le pantalon méga classe et le pantalon jogging méga confortable, du coup ça rend tout à la fois classe et à la fois décontracté, vous avez deux poches, je trouve ça hyper important pardon, dans ce genre de pantalon, un élastique et vous pouvez également le resserrer comme vous le souhaitez, si jamais vous souhaitez porter plus taille haute ou taille basse, enfin, c'est le genre de pantalon qu'on peut porter de plein de façons différentes. Donc vraiment il est très bien conçu. À l'arrière vous avez cet effet de poche. Et j'ai décidé d'associer ça avec cette veste en jean. Je la trouve vraiment canon. Elle est longue, un petit peu destroy à certains endroits. Enfin vraiment rien de plus à dire, c'est une veste en jean qui est très jolie. Avec ses petits effets destroy et tout, le fait qu'elle soit longue, bah, ça change un petit peu. C'est vrai que les vestes en jean courtes, je trouve que ça aurait pas été avec cette tenue-ci. J'avais vraiment envie de l'associer à une longue. Et donc cette tenue-ci, vous pouvez la porter soit avec des talons pour un effet plus classe, soit pour vraiment accentuer le côté décontracté avec des petites baskets, le t-shirt rentré dedans. Et de toute façon, moi, je rentre toujours le t-shirt dedans dans ce style de pantalon. Et voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ce pantalon parce qu'il est super qualité, il est abordable et j'en cherchais un depuis un moment. Et j'ai pris également deux autres vestes que je vais vous montrer tout de suite. Alors énorme coup de cœur pour cette veste-ci. Quand j'ai fait ma sélection, en fait je l'ai faite une première fois et je me suis dit mince, elle est plus en stock, je suis dégoûtée. Et en fait le lendemain il l'avait remise, donc j'ai terminé ma sélection le lendemain, je l'ai remis dans mon panier. Elle est tellement belle, elle est tellement jolie. Donc ça pareil, vous pouvez l'associer avec plein de choses, avec la tenue juste avant, avec une tenue total black, avec des cuissardes ou des petits talons noirs, avec des baskets, enfin avec plein de choses. Moi je vais vous montrer avec une tenue que j'ai là, mais vous pouvez l'associer avec tout, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je pense que ouais, après le pull rouge, c'est mon deuxième coup de cœur. Et j'ai également pris cette veste-ci, je l'ai pas mise sur cintre, je ne sais pas pourquoi. Oui je sais pourquoi, j'étais à court de cintre hier. Elle est trop belle aussi. Pareil, décontractée ou un peu plus habillée avec des talons, enfin franchement vous pouvez porter cette veste là avec tout, elle est tellement jolie, elle est dans un espèce de... Elle est entre lilas et le gris en fait, hein, au niveau de la teinte, ouais, au niveau de la couleur, la teinte, j'ai l'impression de parler de maquillage là. Pareil, c'est dans un esprit bombers assez loose avec des manches assez larges. Et enfin, la dernière tenue que j'ai choisie, c'est une tenue que vous pouvez porter à l'extérieur, hein, décontractée pour aller faire du shopping, vos courses, enfin vraiment peu importe. Ou à la maison également, c'est le genre de tenue que j'aime bien avoir dans mes placards, vous le savez, pour bosser à la maison, pour sortir faire mes courses comme je vous le disais. Enfin vraiment, je t'aime trop. J'aime trop, c'est, vous savez, ce genre de matière velours, rose, pâle, bien sûr, parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux avec cette matière. C'est donc un ensemble de jogging resserré en bas. Ça je trouve ça cool, j'aime bien, sinon ça a tendance à pas m'aller parce que je suis trop petite. Donc là, forcément, ça me va. Et vous avez deux poches. Hop, je vous montrerai ça à la maison je pense, comparé aux autres tenues que je vous montrerai en extérieur. Et donc c'est vendu avec le haut, vous achetez vraiment l'ensemble pour un prix méga abordable. Le haut est comme ça, c'est un sweat dans la même couleur, la même matière, c'est méga doux. J'aimerais tellement que vous puissiez toucher ça, c'est fou, c'est tellement doux. Vous pouvez le resserrer ici et vous avez une capuche. Tadam ! Voilà, j'ai terminé de vous montrer, j'ai un gros tas de fringues ici et j'ai terminé de tout vous montrer, je suis vraiment ravie du site et j'avais très envie de vous en parler. Et voilà, je vous mettrai de toute façon à nouveau le code promo juste ici, je suis très contente, j'ai rien à redire, que ce soit la qualité, les prix, voilà, vraiment ça allie rapport qualité-prix, enfin c'est un rapport qualité-prix qui est excellent, la livraison est vraiment top. Au niveau de la façon dont j'ai reçu tout ça, bah, la paire de chaussures était dans une boîte à chaussures. Les fringues étaient emballées individuellement, c'était dans un gros carton, c'était hyper bien emballé, vraiment j'ai rien à redire. Moi ce que j'aime bien aussi c'est les suivre, bah, par exemple sur Instagram, ils ont aussi Facebook et Snapchat. Ça vous permet de voir un peu les nouveautés, de voir comment associer les vêtements, voilà, les photos qu'ils postent avec toutes les nouveautés et tout, moi j'adore ça. Les amis, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !